19h, nous sommes jeudi 15 décembre et je vais me faire un petit lissage là parce que hier soir je me suis lavé les cheveux et du coup regardez comme c'est gonflé. Normalement je vais faire un tour, là j'ai un truc à récupérer près d'Auchan et du coup comme on a juste à côté Kiabi et qui ouvre à 9h30, bon après c'est dommage que ça ouvre si tard mais bon. J'ai trop envie de faire un petit tour. Comme je vais juste à côté, je vais voir s'il y a des nouveautés. Alors, comme vous le voyez, je me suis remise à ma brosse que j'avais eue en partenariat avec un vendeur Amazon. Ma brosse lissante, elle s'appelle VKK ou VKX, je ne sais plus. VKK, il me semble. Et ouais, je reprends ça parce que franchement, le lisseur là de chez Woolly, il ne lisse rien du tout. Le premier jour, quand je l'allumais, il m'a semblé que c'était assez chaud au départ. Et puis finalement, la chaleur s'estompe et ne tient pas. Donc au démarrage, il est chaud. Vous faites un passage ou deux, ça va. Et puis après, la chaleur s'estompe et c'est fini, ça ne chauffe plus. En plus, on ne peut pas régler la température. La température, elle est mise par défaut et je ne sais pas du tout à combien. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez là, je mets à 170. Moi, il me faut vraiment 170. Sinon, mes cheveux, avec la nature que j'ai, vous voyez comment j'ai les cheveux super volumineux. Enfin, voilà quoi. Du coup, il me faut quelque chose quand même d'assez. Qui chauffe assez. Bon, là, ouais, ah mince, j'ai oublié de mettre mon produit. Bon, c'est trop tard. Écoutez, j'ai oublié de mettre mon produit pour protéger les cheveux. Bon, une fois en passant, c'est pas très grave, mais ouais. Voilà. Je suis toujours en quête du Graal. Du super lisseur qui va me lisser les cheveux façon baguette presque. Et pour le moment, j'ai pas trouvé. Coco m'a proposé de tester le sien. Je crois que c'est le Démélis de Saint-Algues. Alors ça fait un moment que je le vois. Hein. Ça fait un petit moment que je vois ce lisseur. Il y a pas mal de personnes qui en parlent. Et il paraît qu'il n'est pas... Alors moi d'après ce que j'en ai lu, il n'est pas extrêmement cher, mais il marche vraiment très très bien. Il lisserait vraiment les cheveux de fou assez facilement. Donc bon, je pense que je vais me le prendre peut-être pour mon anniversaire parce que vous allez le voir dans quelques jours, mais je me suis commandé mon cadeau de Noël. Voilà, je ne dis que ça. Je l'ai déjà reçu d'ailleurs, je l'ai commandé un soir, je l'ai eu le lendemain. Merci les Prime, merci Amazon Prime. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même plus lisse. Hein, ouais, c'est vrai que ça va mieux qu'avec ce lisseur là. Ce lisseur, oui, vaut que dalle. Mais là, ouais, je suis contente. Je vais essayer d'attacher un petit peu mieux quand même. J'ai pas pris assez de cheveux. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Voilà, comme ça, j'ai ni trop chaud ni trop froid. Voilà. Laisser. Petite tenue du jour, je vous avais dit que je vous en ferais quelques-unes. J'ai mis cette chemise un petit peu bûcheron, j'aime beaucoup avec cette couleur un petit peu bordeaux et crème. Je la trouve super sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop jolie. Je sais plus où je l'avais acheté, je crois que c'est une Chine, quelque chose comme ça. À l'arrière, elle est un petit peu plus longue, moi j'aime bien. Et j'aime beaucoup la matière, c'est vraiment une matière à l'ancienne, je sais plus comment s'appelle cette matière. Mais je me souviens que mon père avait plein de chemises comme ça à l'époque. Et c'est exactement la même matière. Bon, c'est très agréable et c'est très chaud. Pour vous dire, j'ai rien mis dessous tellement c'est chaud. Bon, après aujourd'hui, il fait quand même un peu plus doux, largement. Au niveau du pantalon, on a ce pantalon un petit peu à carreaux, Prince de Galles. Je l'avais acheté à Auchan il y a 3 ans, je crois. J'arrête pas de le mettre, je l'adore. Mais voilà, j'aime beaucoup ce style de pantalon. Il est retourné et j'ai mis des bottes noires avec. Voilà, je suis trop bien dedans dans cette tenue, j'ai ni trop chaud ni trop froid. Et je vais mettre un gilet noir avec des petites fourrures autour, enfin je vais vous le montrer de toute façon. Alors comme vous pouvez le voir, il fait pas très 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 beau. Hein. C'est même un temps très pourri. Je sais pas si c'est ouvert.
il y a des voitures, mais il me semble voir encore les rideaux. Ah non, il n'y a pas les rideaux. Bon, mais c'est cool, c'est super. C'est parfait. Peut-être été faire un tour à la halle, mais bon, comme j'ai acheté un truc là, oh, je vois une robe pailletée en face. Oh, par contre, est-ce qu'elle va être en grande taille? Je vois dans la pub là, je sais pas si vous le voyez, mais ça, vous voyez, robe pailletée 9 euros. Mais moi, j'ai pas, si c'est pas une grande taille, j'ai envie d'y aller, mais à la fois, j'ai la flemme. Bon, écoutez, j'y vais pas. Je me suis acheté quelque chose à Kiabi. Je vais pas exagérer non plus. Hein. Voilà. J'ai pas besoin de millions de paillettes non plus. Qu'est-ce qu'il est long, ce feu. Ouh, c'est pénible. Hein. Enfin. Allez. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, même si je vous ai déjà emmené dans cette zone-là. Ici, on a Max Plus. Alors, j'y suis allée que 2-3 fois. Ouais, il y a des trucs, mais bon, c'est souvent vieillot, quoi. Donc j'y vais très rarement. On a le Action ici, enfin c'est le deuxième. On en a un autre dans une autre zone. Non, mais je vais pas tourner. Ouais, vous voyez, vous l'avez là. Sport 2000 qui est hors de prix ici. Et puis il n'y a pas grand chose en fait. We Are Select, alors là, tout ça là. Dedans, vous avez tout ce qui est sport de luxe et tout ce qui est. Chanel, mais comment s'appelle ce truc, il y a Louis Vuitton, tout ça là-dedans, pas mal de trucs comme ça. Hermès aussi, j'ai vu la dernière fois qu'on y est allé, parce que mon fils voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur, il voulait voir s'il n'y avait pas d'ETN. J'ai dit, je sais pas s'il y aura d'ETN là-dedans, mais les seules baskets qu'on a vues, elles étaient pas à moins de 300 balles. Donc j'ai dit, bon, on va peut-être pas rester dans le magasin, ça sert pas à grand chose, parce que moi, des chaussures à 300 balles, non, c'est pas possible, quoi. Ouais, bah, je vais acheter le pain à la boulangerie de droite là. Pas loin de Picard. Mettez ici. Hop, alors lui il est bien garé, franchement. Donc, je vais mettre là, je m'en prends la tête. Hop. Et on va ouvrir le calendrier de l'Avent Glossy Box. Alors comme vous pouvez le voir, pour me faire une idée, je laisse tout dessus. Alors je laisse tout ici afin de voir tout ce qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Pour le moment, je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va ouvrir cette fameuse 15. Alors, la 15, est-ce qu'elle est grande aujourd'hui? Parce que ça, comme je disais hier, ça fait quelques jours qu'on a des petites cases. Alors, elle est ici. On va voir. Ouh, ça a l'air d'être un gros truc. Pomme granate. Qu'est-ce que c'est? Eye Lift Serum. Oh, trop bien. Un sérum pour les yeux. Il a l'air vraiment très, très sympa. Le packaging, déjà, est vraiment très joli. Et est-ce que c'est la marque qui s'appelle Pomme Granate ou est-ce que c'est le produit qui va avoir cette odeur-là, ce parfum-là? Alors, c'est un sérum pour les yeux qui fait 15 ml. Vous voyez, on a une pipette ici. Je vais l'ouvrir pour voir parce que de toute façon, en ce moment, je ne mets rien sur mes yeux. À cause de mon orgelé, je ne mettais plus rien et j'ai terminé mon contour des yeux. Donc, bon, ben, peut-être que du coup, on va continuer par ce produit là. Donc c'est une pipette. Je vais le sentir pour voir. Sentir ça. Ah mais vraiment il sent super bon. Hein. J'ai jamais senti un contour des yeux. Enfin un sérum ou même n'importe quel sérum. Que ce soit pour les yeux ou pour le visage. J'en ai jamais senti un. Qui soit aussi parfumé. Oh ben vous savez quoi, hein, on va mettre un petit peu. Alors, comment il est? Ah, c'est aqueux, c'est marrant. On dirait du gel. Alors, j'espère qu'il ne va pas faire d'allergie. Hein.
Là, maintenant que mon orgelet est parti, je peux commencer à remettre de la crème. Mais là, oh, c'est un gel qui sent mais tellement bon. J'ai mis juste une goutte, j'en ai largement assez. Donc, je vais faire vraiment le contour. Les paupières, le contour. Ah, c'est super, super agréable. Ça fait un petit peu gélifié, c'est marrant hein, pour un produit au contour des yeux. Il me semblait avoir vu le Dose Makeup présenter des produits cette gamme-là. Je ne me souviens pas si le sérum pour les yeux y était. Alors, c'est un liftant en plus. Hein. Donc, c'est plutôt cool. Mais ouais, contente du jour. Vraiment contente de. Contente, vraiment contente de l'ouverture du jour. Hein, mais vraiment. Comme vous l'aurez vu plus tôt dans la vidéo, je suis allée chez Kabi et. Tada! Je me suis acheté un habit de lumière, mais alors tellement joli, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Trouver ce genre de produit en grande taille à prix, bon, c'était quand même 25 euros. Hein. Ce haut était quand même à 25 euros, mais il est vraiment de qualité. Il y a des sequins partout, il est tout doublé. Je sais pas si vous le voyez, on a une doublure à l'intérieur. Ce qui fait qu'il est vraiment un super tombé, il est quand même assez lourd. Hein. Il a un tombé de dingue, vous avez des manches longues, alors ça c'est très rare aussi, pourtant en hiver on a besoin de manches longues. Il y a des manches longues qui sont, vous voyez, un petit peu resserrées ici, je trouve ça super sympa. Et en bas, ça tombe droit, donc moi j'aime beaucoup ça, je préfère ça plutôt qu'au resserrage, vous voyez, en bas du ventre, j'aime pas du tout. Alors je trouve qu'il tombe très 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 bien. On a un col un petit peu V arrondi, ouais, légèrement arrondi, un col V. Elle arrive, c'est un haut qui arrive quand même assez bas. Voilà, façon blouse un petit peu. Donc je suis plutôt contente vraiment. Il est très très joli. Mais regardez-moi comme ça brille. Alors je l'ai pris en 3XL, j'aurais pu le prendre en 2, mais je suis pas à l'aise quand ça colle, vous voyez. Ça colle un petit peu, je suis pas à l'aise. Donc je l'ai pris en 3, tant pis. Mais franchement, regardez comme ça brille. En plus là, j'ai dû mettre la ring light parce qu'on voit rien du tout dans la maison. Donc ça doit refléter encore plus. Mais vraiment très très joli. Donc je vais voulu me placer à côté du sapin de Noël pour vous montrer ça. Mais vraiment, j'adore. Je suis vraiment trop contente de ça. Il y avait également des... Il n'y avait pas de robe en sequins parce que sinon j'aurais pris la robe en sequins. Mais il y avait des robes, vous voyez, avec le tissu comme je vous ai montré. Là, il n'y a pas très longtemps chez Kiali aussi, il doit y avoir un mois et demi. J'ai acheté un haut avec des fils de lurex. Voilà, aubergine un petit peu avec des fils de lurex doré. Ben, ça, il y en avait pas mal et de toutes les couleurs. Mais vraiment, j'avais trop envie d'un haut à sequins comme ça. J'en ai pas, hein, avec des sequins. Des hauts tout en sequins ou même des fringues tout en sequins, je n'en ai pas. Donc du coup, bah ça va être mon haut de 31 décembre. Ça va être peut-être mon haut de Noël. Alors peut-être pas le 25, mais le 24 peut-être, je sais pas trop. Je sais pas, parce que ma robe de Noël, je veux quand même la mettre le 25 sur à midi. Ouais, je pense. Donc, ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Mais je sais que je la ressortirai pour un anniversaire, pour pas mal de petites choses. Mais je suis vraiment trop contente. Donc, je vais vous l'essayer. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une grande taille. Alors, regardez-moi cette beauté. C'est pas trop beau. Je l'adore, je l'adore. Et j'ai oublié de vous dire, oui, là, ça fait légèrement, légèrement bouffant. Je trouve que c'est très joli. Alors, ok, ça me grossit, je le sais, je l'ai vu. Quand j'ai essayé, j'ai vu que ça me grossissait. Mais j'ai dit non, tant pis, je m'en fous. Je veux trop ce genre de fringues. Moi, j'ai jamais eu ce genre de fringues. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 44 ans et j'ai envie de mettre ce genre de fringues. C'est pas à 70 ans que je vais le faire ou à 80 ans. Donc, j'en profite. Vous voyez le tombé est lourd. On voit que les manches, vous voyez, ça pend tout seul par la gravité. Vous voyez, je trouve que c'est très joli. Ah, oh, ça brille. Je me vois là, j'ai un miroir en face. Je me vois, mais ça brille à fond avec la ring light. Je crois que je vais faire des photos avec la ring light prise dans le miroir parce que j'ai remarqué que sur le téléphone ça ne rend pas bien. Donc là, peut-être que si je prends des photos comme ça avec la ring light en face, j'ai fait une coiffure approximative et j'ai mis un serre-tête avec des perles, hein, mais ça ne va pas forcément être comme ça. Donc de dos, ça donne ça. Et comme je vous le disais, on a une doublure. Hein. On a une doublure là. Vraiment, voilà. On n'a pas froid du tout. Moi, je vous dis que j'ai pas froid du tout avec cette chose-là. J'ai moins froid qu'avec ma chemise, mais j'adore là. Mais là, vraiment, j'adore. C'est trop beau. Je me suis aperçue que vous ne voyez pas le bas. Donc, je refais une petite prise de vue là avec le bas. Voilà. Très joli. Mais vraiment, vous voyez, elle arrive quand même assez bas. Hein. Si vous voulez couvrir les fesses, c'est parfait. Bon, après, j'ai pris du 3. Hein. J'aurais pu prendre du 2, comme je vous le dis. Hein. Vous voyez, il y a largement de quoi faire. Il y a largement de la place. Mais vraiment, trop fan.